Nous sommes en province de Namur, aux portes des lacs de l'Oder. La campagne invite à la promenade. Et au détour d'un chemin, c'est un clocher qui attire l'attention. Une flèche de 63 mètres qui vous guide vers le centre de la petite ville de Walcourt. Les ruelles qui longent les anciens remparts témoignent de son origine médiévale. Un charme d'autrefois que Walcourt a réussi à sauvegarder. Dominant la Grand Place, la basilique Saint-Mathern a pour origine un édifice du XIe siècle. Ses pierres de calcaire bleu lui donnent une touche unique. À l'intérieur, le jubé est une dentelle de pierre blanche. Il aurait été offert par Charles Quint et il protège le cœur de la basilique. Au pied de la tour tabernacle, les stalles des chanoines. Les sculpteurs y ont reproduit des animaux, des personnages fantaisistes et des sujets burlesques et satiriques. Le trésor de la basilique se visite sur demande. Ces pièces rares datent du XIIIe siècle et sont de vraies œuvres d'art attribuées à Hugo Doigny, un moine orfèvre. Les ex-voto qui tapissent les murs témoignent que la basilique attire chaque année de nombreux pèlerins. Autant de remerciements à Notre-Dame de Walcourt. Elle est l'une des plus anciennes statues mariales de Belgique et elle aurait été sculptée par Saint-Mathern lui-même. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce dimanche matin. Avec vous, Didier Kroelenberghs, pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Elle sera présidée par le doyen de Walcourt, le père Jean Tornafol, et c'est le frère Philippe Cochineau qui assurera la prédication. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en cette basilique où Notre-Dame est invoquée comme la consolatrice des affligés, soyez les bienvenus, vous qui êtes présents, et vous qui nous rejoignez par la radio et la télévision. La Vierge Marie nous offre la consolation de sa présence, tout comme Jésus avec Zachée, qui reçoit chez lui l'amour et la miséricorde de Dieu par le Christ. Confiant dans ce même amour qui nous est offert, reconnaissons-nous pécheurs et accueillons la miséricorde de Dieu, notre Père. De ton peuple rassemblé, Seigneur, prends pitié. De ton peuple pécheur, ô Christ, prends pitié. Christ,
de ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend de sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres.
Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, par sa puissance qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Philippe Cochineau, provincial des Dominicains de Belgique, qui va maintenant prononcer l'homélie. Il suffit parfois de commencer par un simple regard, souligne le psychiatre Boris Cyrulnik, pour qu'un être humain puisse entrer en résilience. Un simple regard, et voilà qu'un homme, une femme, un enfant peut se libérer de ses drames intérieurs pour marcher à nouveau librement sur le chemin de sa propre vie. Un simple regard, comme celui porté par Jésus sur la personne de Zachée. Le Fils de Dieu a d'abord choisi de parler par ses yeux. Il pose son regard sur celui qui cherchait aussi à le voir. Nous assistons à une rencontre de deux regards, l'un humain et l'autre divin. Et à notre tour, nous sommes conviés à nous interroger sur nos propres manières de nous regarder les uns les autres. Il est essentiel de le savoir, car tous nos regards dévoilent quelque chose de l'âme de l'être que nous sommes. Me viennent à l'esprit ces simples regards de douceur où s'exprime tout l'amour. De tels yeux nous réchauffent à jamais le cœur et s'inscrivent dans la mémoire de nos sentiments. Il suffit également d'un simple regard pour dire toute la complicité entre deux êtres, ou encore pour exprimer de la compréhension, voire de la compassion à ce qui se vit ou à ce qui vient d'être dit. Me viennent également à l'esprit ces regards de confiance, où tant de choses ont pu se partager sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. Nos yeux ont si bien parlé, tout simplement, tout tendrement. De tels regards nous font grandir en humanité. Ils sont nécessaires à notre croissance, à notre devenir, car ils nous façonnent et nous ouvrent de la sorte le regard vers un horizon de paix intérieure. Mais à côté de ces regards bienveillants, il y a également des regards qui nous glacent à jamais, tellement ils expriment la froideur de ce que l'autre ressent à notre égard. Il s'agit cette fois
de regard où notre interlocuteur nous fait comprendre dans le silence de ses yeux à quel point nous n'avons aucune valeur. Rien de pire alors que d'être confronté à ces regards de jugement, ces regards de condamnation, comme si l'autre avait la prétention de croire qu'il nous connaissait mieux que nous-mêmes. De tels regards sont humiliants, dégradants, enfermants, car ces yeux-là nous annihilent sur place à l'instant même où ils croisent notre propre regard. Un regard n'est donc jamais neutre. Un regard aimant rend une personne aimée. Il est d'une certaine manière le miroir de l'âme offerte à la contemplation de tous ceux et celles qui nous regardent. Il est cette offrande infinie que nous cherchons à déchiffrer chez l'autre afin de pouvoir entamer une relation à vivre en vérité. N'oublions jamais que le tréfonds de notre âme n'est offert qu'au regard bienveillant de Dieu. Lui et lui seul peut nous connaître dans le plus intime de notre cœur, là où aucun être humain ne pourra jamais avoir la connaissance de l'être que nous sommes. Il y a en chacune et chacun de nous un jardin secret où seul Dieu peut venir se promener. Il y a en nous une part de mystère qui nous dépasse et auquel seul le divin peut accéder. Cette partie de notre être lui est réservée. Elle contient toutes les potentialités de ce que nous sommes appelés à devenir un jour, que ce soit dans cette vie-ci ou dans l'au-delà. Trop souvent, nous voyons chez les autres leurs imperfections, leurs manquements, et nous nous arrêtons à ces premières impressions. Nous portons un regard humain qui juge et nous nous enfermons dans celui-ci. Il en va tout autrement pour Dieu d'après l'évangile de ce jour. Sans pour autant fermer les yeux sur nos manques d'amour, Dieu pose sur nous un regard de bienveillance et de miséricorde pour que nous puissions nous convertir, c'est-à-dire revenir à lui et vivre ajusté à ce qu'il attend de nous. Le regard divin ne nous enferme jamais lorsque nous trébuchons. Il nous reprend à notre rythme. Il nous relève pour que nous nous détournions de ce qui nous empêche de devenir nous-mêmes. Le Fils Jésus, notre frère, voit en chacune et chacun de nous ce saint qui sommeille et toute cette lumière que nous sommes appelés à découvrir, à devenir. Comme pour Zachée, le Christ pose aujourd'hui encore sur nous un regard bienveillant de compassion et de miséricorde. Un regard nous appelant à exister, mais à exister autrement. En inscrivant notre vie en Dieu, nous l'écrirons dorénavant avec l'encre de l'Esprit-Saint. Cette encre indélébile nous conduit à ne poser que des actes d'amour, révélant ainsi la divinité existant au cœur de notre humanité. Puissions-nous alors, à notre tour, apprendre à nous regarder les uns les autres avec les yeux de Dieu. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Philippe Cochineau peuvent écrire à l'une des adresses suivantes. Pour ceux qui nous suivent sur la 2 et sur la 1ère, au service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers à 1044 Bruxelles, ou à l'adresse mail homélie@catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou encore un courriel à homélie, sans accent et au singulier, @lejourduseigneur.com. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec amour et confiance, adressons notre prière au Seigneur pour tous nos frères et sœurs. Pour ton Église, afin qu'elle se laisse toujours convertir par ton évangile de vie, Seigneur, écoute-nous. Gouvernants, afin qu'ils veillent au bien et au respect de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que chacun soit ouvert aux appels de ses frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que la grâce du pardon illumine le cœur de tes enfants, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui es bon et prends pitié, écoute notre prière et daigne l'exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Zachée voulait voir, et il est vu, car il a entendu un appel personnel. Cet appel lui dire « Ne cherche pas dans les hauteurs, redescends sur terre. » Saisis l'occasion unique. Ce jour peut devenir pour toi l'aujourd'hui de la grâce, le tournant capital de ta vie que tu peux offrir. Alors voici le temps de l'offertoire et comme à chaque Eucharistie, vous pouvez véritablement communier à ce moment par la prière, en offrant vos intentions, en déposant toute votre vie au pied de cet autel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Le ciel et la terre sont remplis.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Rémi, son auxiliaire Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous reprenons les mots que Jésus nous a laissés et nous disons d'un seul cœur, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Jésus est celui qui nous cherche des yeux. Il connaît nos noms avant même que soient faites les présentations. Oui, c'est lui qui vient à notre rencontre, ici, maintenant, dans notre condition, dans notre maison, pour nous offrir sa paix. Alors cette paix que les membres de l'Assemblée partagent, je l'adresse à vous également. Je souhaite qu'elle vous garde et vous amène courage et sérénité. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme Zachée, je te cherche, mon Dieu. Et si je suis trop petit, tu mettras un arbre sur mon chemin pour me hisser jusqu'à toi. Oui, je te cherche, mon Dieu, et si dans ma quête je m'envole vers de trop hautes sphères, eh bien tu me lesteras du poids de ta parole pour m'incarner avec toi. Oui, je te cherche, mon Dieu, et si je m'égare dans des labyrinthes de lois et de règles, tu me diras simplement et tendrement, « Aujourd'hui, moi, je viens chez toi. » Oui, je te cherche, mon Dieu, mais tu me précèdes toujours dans ma quête. Et si je crois te trouver, tu es déjà ailleurs. Oui, tu me conduis patiemment vers ton royaume.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, très sainte Mère de Dieu, qui par un enchaînement de grâces et de prodiges avez montré durant tant de siècles combien il vous est agréable d'être honorée et invoquée à Walcourt, continuez à répandre sur nous vos faveurs maternelles. Assistez-nous dans tous nos besoins, consolez-nous dans nos afflictions, mais surtout daignez nous obtenir la grâce d'imiter vos sublimes vertus, afin que, animés d'une foi vive, d'une espérance sans borne et d'une ardente charité, nous passions de la sorte, à travers les vicissitudes de cette vie, que nous puissions avoir le bonheur de vous rencontrer à l'heure de notre mort et de pouvoir vous suivre dans le ciel. Ô Vierge Marie, qu'on invoque jamais en vain, soyez toujours notre mère, nous serons toujours vos enfants. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, vous avez suivi la célébration du 31e dimanche ordinaire depuis la basilique Saint-Materne à Walcourt, dans le diocèse de Namur, en Belgique. Avec vous, c'était le frère Didier Cronenberg pour vous accompagner. Je vous souhaite à toutes et tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé dans la joie cette célébration, merci encore pour votre fidélité et votre soutien. Et nous nous retrouverons en ce même lieu, ce mardi 1er novembre à 11h en Eurovision, pour la fête de la Toussaint, la fête des grands vivants. Prenez bien soin de vous et à mardi. Au revoir. Ce dimanche soir.